I saw you in the smoking room, babe. You were a Burberry tank, some dark black pants. Cause you were so fine that I got paralyzed when I looked you in the eyes. How do we end up here tonight? We're chasing shots of tequila, you started Mula Selena. We move side to side, Ariana style, girl. Do you turn around and look at me with those dark, dark eyes? Stars above the sky. I'm addicted to you tonight. The story is written for you and I. You stole my heart right away the night. Under stars above the sky. I'm a
Ok, bonjour tout le monde, salut à tous et à toutes. Normalement, nous sommes bien en live. Normalement, tout est bon. J'attends d'avoir vos retours avant de commencer à présenter un peu, parce que ça va être un peu différent de la semaine dernière. Pour vous expliquer tout ça. Juste prendre le chat là à côté. Si YouTube buguait pas, ce serait bien. Voilà. Ok, parfait. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout est bon? Est-ce que le son est là? Bonsoir, bonsoir. Faut que j'arrête de dire bonjour quand il est 21h comme ça. On avance pour une fois. Eh, ça veut dire quoi le pour une fois là? Hein? Attendez, juste prendre. Ok. Ok, on t'entend parfait. Ok, nickel. Du coup, je vais juste afficher. Hop, je vais les mettre où? Je vais les mettre là comme ça. Ouais. Peut-être pas mal. Ouais, mais ça va prendre beaucoup d'écran là, non? Puis on va faire comme ça. On va faire comme ça, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que ça se dit? Ça se dit pas. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer un peu tout ça. Si vous avez suivi les lives de la semaine dernière, vous le savez qu'on est qualifié. Enfin, moi, je suis qualifié pour les second tours. Du coup, vous vous dites, mais pourquoi tu stream, machin? Tout simplement pour qu'il y ait un maximum de contenu sur la chaîne PSM Italia, entre guillemets, et que du coup, ils veulent que un maximum de courses et de groupes soient retranscrits, entre guillemets, sur leur chaîne en replay. Du coup, il n'y aura pas de rediff pour ce live aujourd'hui et demain, parce que ben, je ne joue pas, je commande juste. Ça va être un peu plus calme que la prochaine fois, je pourrai lire le chat tranquille, il n'y aura pas de souci. Et du coup, on va partir pour les secondes chances du inline. Pour ceux qui auraient oublié les règles du inline, c'est un mélange. Une traduction. Rejoindre Davy, c'est ça non? Qui dit? Attends, parce que moi et l'anglais, frère, ça va pas. J'ai rien compris, je crois. Donc pour le inline, c'est un mélange entre le mode tour et le mode classique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, on en a 4, 2 ce soir, 2 demain, comme la semaine dernière. Et c'est à peu près tout qui compte. Les grimpeurs rapportent des points, les sprinteurs rapportent des points et les arrivées rapportent des points, sauf qu'il n'y a pas de général, c'est-à-dire que les étapes se jouent une par une. Il y a 4 étapes, je vais vous afficher le parcours à l'écran. Voilà, le parcours pour aujourd'hui, une étape entre Aurillac et Carmaux, étape pleine vallon un peu. Enfin, ouais, ils ont classé ça en plaine, mais c'est quand même assez vallonné. Et on aura une étape vallonnée entre Portoferraio et Portoferraio, dans les alentours de Portoferraio. Donc voilà à peu près pour le programme d'aujourd'hui. Et du coup, attendez, ça me parle dans tous les sens, je suis perdu. Attendez, ça me parle sur Discord, ça parle. Rejoindre. Ok. Attendez, je crois que je dois quitter. Je galère un peu, attendez, à expliquer. Parce que ça parle dans tous les sens. Ça parle sur Discord, sur truc. Si on recommence, ce serait pas. Hey, ce sera pas un commentaire de ouf, hein, les mecs, tranquille. Mais bon, ça va changer un peu comme ça. Je pourrais lire le chat tranquille. Ouais, si tu peux arrêter de spam, s'il te plaît. Game X13. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié, hein.
Au niveau du barème. Oh merde, attendez. Ah si, j'ai oublié un truc en fait. Tan, 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 tan. Faut que je le mette maintenant, sinon. Afficher dans le dossier. Copier. Et je dois les mettre où cette merde? Attendez, parce que. Je dois installer un truc, sinon ça va pas marcher. PCM. XML. Classification. Coller. Ok. Faut juste. Comme ça, on pourra voir à l'écran. Voilà, normalement, c'est bon, la classification. Du coup, pour le barème des points, je sais pas s'il a changé, mais en gros, on le verra en course. Ça sera à chaque fois les trois premiers qui passeront au sprint intermédiaire en tête qui auront des points. Puis, ça sera le premier au quatrième et les deux premiers au troisième, si je dis pas de conneries. Enfin, je pourrais vous expliquer plus en détail en course parce qu'on aura le visuel, ça sera plus simple. Et puis, voilà, si vous avez des questions. Apparemment sur TDFDC tu aurais un mode en ligne. Non. Je peux casser ton délire tout de suite, non. Je sais pas où est-ce que t'as vu ça, mais c'est totalement faux. Bon, Game X13. Un peu chiant comme garçon. Merde. Salut Hugo. Du coup voilà. À peu près. Du coup, au niveau du groupe, on a quand même un groupe assez. Donc, on a quand même. Il y a un groupe assez difficile, entre guillemets, parce qu'on a notamment Kingmaker et Shadow présents. Et c'est tout simplement les premiers et troisièmes des championnats du monde de l'an dernier. Donc c'est pas rien. Shadow qui était dans mon groupe la semaine dernière et on avait réussi à l'éliminer. Donc voilà, là ils sont combien? Donc moi je suis le streamer donc je joue pas. Pierrot c'est le host donc il ne joue pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 7 pour 4 places. Ouais, bon c'est large quoi. Hein. Ils ont mis le drapeau italien sur toutes les courses, Tito. Et ouais, ils ont mélangé les deux groupes parce que sinon, il n'y avait pas assez de joueurs sur les secondes chances. Sûrement parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bof, j'ai raté le premier tour. Surtout que vu le groupe où je suis tombé en seconde chance, j'ai aucune chance, du coup, je viens pas, quoi. Mais dégage alors, des skis. Qu'est-ce que tu veux? Je mange l'arrivée, les gens. Du coup, on a qui là? On a Holy Cools. Holy Cools qui est un français. On a Doru. J'espère que je prononce bien. Désolé d'avance. Doru qui est un roumain. Joueur roumain de PCM. On a Mixiemar 99, 99 qui est lui un espagnol avec Thomas 14. J'imagine c'est un français, Thomas 14. Non, c'est un portugais, d'accord. On a Shadow qui est français, Kingmaker qui est français aussi. Et Ilya Trochine qui est russe. Donc voilà à peu près pour la composition du groupe. Non, moi je joue pas, moi je suis déjà qualifié, je me suis qualifié la semaine dernière, donc je ne joue pas. Je caste juste, c'est pour ça aussi que vous vous en doutez peut-être, je rediffuserai pas ce live. Sur ma chaîne parce que je joue pas, hein, il y aurait aucun intérêt, mais par contre ça sera rediffusé sur la chaîne PCM Italia. Et ça, il y a un bot qui met le lien dans la description toutes les 5 minutes, donc regardez un peu dans la description, dans le chat, pardon. Donc ayez un œil attentif sur le chat et de temps en temps il y a le lien de la chaîne PCM Italia qui popera. Et c'est là qu'il y aura la rediff demain.
Il n'y a pas des Brésiliens. Si, je crois, il y a quelques joueurs brésiliens, mais pas dans cette poule-là. Moi, la semaine dernière, il y avait un Argentin avec moi. Il y a aussi un Américain. Il y a un mec. C'est quoi? C'est des Philippines, je crois. Donc voilà. Et par contre, et promis, il y aura la preview de. Il y aura la preview de Liège demain. J'avoue, j'ai un peu carotte. Il n'y a pas eu d'Amstel ni de Flèche. Ben bon, et franchement, dans un mois et demi, on est sur TDF et PSM 18. C'est difficile d'encore jouer au 17, hein. Je vous avoue que c'est compliqué. Par contre, je viens de m'en rendre compte, j'ai même pas mis le lien sur. Oh là là, fait mal son boulot, putain. Après, YouTubeur en carton, celui-là. Deuxième tour, c'est la semaine prochaine. Donc lundi, on aura le deuxième tour des classiques. Et jeudi, samedi, dimanche, on aura les second tours du tour et du inline. Je vais choisir avant de lancer le lien. Donc moi, on s'en fout de qui je prends, donc on va prendre la Katusha. Quoique, je sais pas si... Non, il a pris la GDDR, ok, on prend Katusha. Voilà. Je caste, c'est avec un E ou... Ouais. Comment j'écris ça? Je vais à l'arrache un peu. J'ai oublié de le faire pendant le chargement, l'écran d'attente. C'est pas grave pendant qu'il y a le temps de chargement. Il y a même pas le temps de chargement là. Bon. GL. GL à ceux qui vont jouer. Bonne chance. Que les meilleurs se qualifient, n'est-ce pas? Mais si possible, s'il y a des mecs chauds qui se qualifient, qu'ils soient pas dans mon groupe la semaine prochaine, quoi. Ce serait sympathique. Hein? J'aurais pu laisser la Katusha, j'ai pensé exactement la même chose, mais j'ai vu qu'il avait déjà pris la G2R, c'est pour ça que j'ai pris la Katusha. Deuxième tour, c'est la semaine prochaine. Toute la semaine prochaine. Putain, il y a plein de mouches ici. C'est quoi ça? Tu vas finir les séries? Oui. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère. Putain, les mouches! Je te suis depuis le début. Merci, Dro. Si vous en mode Alexandre Pasteur. Le problème, c'est que je suis pas Alexandre Pasteur. C'est le problème. Pourquoi il y a un nom dans chaque pool en jaune? Normalement c'est les hosts, mais ils sont pas là. Salut Pussyfire. D'ailleurs comment? Normalement on peut cacher. Je connais pas la touche, je le fais jamais. Affiché masqué F2. Oh, c'est beau ça. Après, tu n'as qu'un coureur parce que je joue pas. Mon coureur va rester sur place.
Ah oui. De toute façon, vous le voyez pas, il y a ma cam. C'est pour ça aussi que j'ai mis ma cam en haut à gauche aujourd'hui, vu que j'aurai pas de coureur. Tranquille. Je me suis qualifié en classique. Oui, on s'est qualifié partout pour les deuxièmes tours. Et d'ailleurs, il y a la chatte à Dédé, vous voyez, avec l'équipe de France en foot. Et il y a la chatte à Styros aussi. Parce que même en étant cinquième tête dans le pot 5, je crois, pour le second tour en classique, on a évité les plus gros. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un mec chaud dans notre poule, mais tout le reste, ils sont prenables. Donc c'est pas dégueu. Attention, un leader est décroché. Voilà. Pourquoi? Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au Frère. peloton. Voilà. Parfait. Parfait. Du coup, on va se placer. Pourquoi il y a de l'IA? Je sais pas. En tout cas, moi, il est là, mon coureur. Oh, mais. Merde. Attends. Ouais, ça, je l'affiche quand même. Ok, du coup, on est parti. On a déjà des attaques. On a un. Attendez, c'est un quoi? Miximar. je trouve pas son nom. Ah, si, un espagnol. Miximar, le coureur espagnol du groupe, qui est parti avec deux coureurs directement. Avec son lieutenant, Valverde. Et avec Erviti, coureur pavé de sa team. On a également Kingmaker qui a envoyé Terstra dans l'échappée avec Doru et Thomas qui sont en chasse-patate là. Thomas qui a décidé d'envoyer son coureur polyvalent. Et Doru son coureur chrono. Et derrière c'est Ilya Trochine qui tient un peu le peloton en main. Et il a d'ailleurs contré avec Nassen. D'ailleurs, mon ami commentateur, t'es bien sympa, mais tu me gueules un peu trop dans les oreilles, frérot. Voilà. Du coup, on est parti directement au niveau des points. Peut-être pour vous montrer plus en détail au niveau des sprints, on aura 10, 5 et 2 points à distribuer. Sur les troisièmes catégories, c'est 2 et 1. Et quatrième, c'est 1. C'est comme en vrai. Et à l'arrivée, il n'y a pas de points à distribuer là pour les sprints et les grimpeurs. Mais c'est les 5 premiers qui prennent des points. 25, je crois. Le premier a 25 points. Et après, il faudrait voir. CF2. Ouais, j'ai trouvé Pussyfire. Pour ma poule en classique, c'est pas la joie. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Et il fait l'effort, hein. Il fait l'effort pour pas que ça rentre derrière Miximar. Même si, attention, parce qu'il y a Kingmaker dans sa route, mais qui l'emmène, c'est qui tout double. En direction du premier sprint intermédiaire de la journée, et le seul d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a Trochine qui est revenu sur le contre avec Doru et Thomas. Et il va même revenir avec Viermo. J'avais pas vu, et Shadow qui a envoyé également Bozic en contre. Du coup, on a quand même Ilya Trochine, Thomas, Doru, ça fait 3, 4, 5. On a 6 coureurs représentés sur les 7. Hein. Il n'y en a qu'un qui manque. Et c'est qui n'a pas pris l'échappée? C'est Oli Kols qui ne l'a pas pris avec la BMC. C'est le seul à ne pas être présent. Alors qu'il y a un meurtre dans la rue d'à côté. Oh, GameX13, arrête, s'il te plaît. Oh, je t'ai ban 10 minutes pour te laisser une deuxième chance. Arrête, je vais pas te ban définitif quand même. Sois sympa. Vas-y, je remets 10 minutes, mais si tu reviens et que tu recommences, c'est définitif, frérot. Ah ouais, on commente. Il va y avoir un regroupement là, à 5 km du sprint. Petit regroupement général. Attention, il y a peut-être une cassure qui va se faire entre Terpstra, Valverde et le reste du groupe. Ouais. Ils sont partis à deux là. Alors que derrière, c'est bah, du coup Oli Kols qui roule en tête de peloton, c'est plutôt logique, c'est le seul qui n'a placé personne à l'avant. Shadow qui va essayer de rentrer. Allez, ça contre. Il y a Trochine qui envoie Nassen dans l'échappée. Y a-t-il des sprinteurs présents dans le groupe? Non, par contre, Sanchez, il en est sur un plateau là. Si... Il aura facile à passer en tête, on a 1 km du sprint, attention. Rappel, les trois premiers prennent des points. On a Thomas qui emmène là avec De Clercq et qui va sans doute passer en tête. Ah non, 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 il s'est remonté. Je crois que c'est Kingmaker devant Ilya Trochine et Thomas a sûrement résisté. C'est bien ça. On a du coup Kingmaker avec Val. Non, c'est pas Kingmaker là, Movistar. C'est pas Kingmaker. Non, 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 c'est Miximar. Miximar qui prend du coup 10 points. On a du coup également Kingmaker qui prend 5 points avec Terpstra. Et avec Nassen, c'est Ilya Trochine qui en prend 2. Donc voilà, les premiers points de la journée ont été distribués là. Pourquoi je joue pas? Parce que je suis déjà qualifié pour la semaine prochaine. Et bien voilà, et du coup maintenant c'est un peu calmé.
Il y a Shadow qui a réussi à rentrer avec Bozic. Et du coup, maintenant, ça va être assez classique. Voilà, Holy Cools qui roule dans le peloton. Et qui va tenter de chasser l'échappée. Tout simplement. Ah, il a déjà abandonné, mon mec. Tant mieux. Ouais, abandon. Très bien. D'ailleurs, est-ce que je choperai pas? Je pense que c'est pas mal de faire ça. Regardez, regardez. Comme ça, on. Parce que moi, je sais que la semaine dernière, j'aurais aimé avoir un suivi en direct, entre guillemets. Y a-t-il un bic dans les parages? Oui. Du coup, on va noter pour leur donner un petit suivi. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Du coup, là, pour le premier grimpeur, on a eu. C'est chiant, ça. On a eu Mixiemar. Ziemar qui a pris 10 points. La Kingmaker qui en a pris 5. Ça, j'aurais peut-être pu préparer plus tôt, mais vu qu'on connaissait pas la poule forcément, bah forcément, c'était, j'aurais pas pu le faire. Et il y a Trochine. Lui en prend 2. Avec la G2R. Voilà. Attendez 2 secondes. Hein. Hop. BMC. Et pour finir, Thomas 14 avec la loto. Ok, c'est bon. Au moins ça s'est fait, ça sera plus simple pour la suite. Oh, c'est chiant ça. Attendez, je vais mettre un point aussi, comme ça je pourrais appuyer sur espace. Ah, enfin, voilà, nickel. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah, il y a eu un regroupement. On a eu un regroupement du coup, et là ça va emmener, hein. On va avoir un vrai sprint au niveau du peloton pour emmener. Comment on fait pour rejoindre la partie? Tu peux pas. Vas-y, il y a Kingmaker qui emmène avec Terpstra. Je sais pas s'il est en train d'attaquer ou de rouler fort. En tout cas, on est au pied de la première difficulté de la journée. Rappel, les deux premiers vont prendre des points au sommet, 2 et 1 point respectivement. Ah, il n'y a pas vraiment énormément de points à prendre, hormis à l'arrivée. Du coup, vraiment, on a eu une bonne opération de la part de Mixiemar pour le sprint en prenant les 10 points. Du coup, ça emmène à 1,5 km du sommet. On a Yatrochine qui est bien emmené, qui emmène Bardet avec la tour. On a De Rennes qui est emmené par De Clercq pour Thomas. Et Valverde qui est scellé avec Mixiemar. Et qui va disputer les points là. Pour le moment, ça lance pas encore. J'ai pas l'impression qu'il compte attaquer. Ou si, 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 Valverde qui essaye d'emmener, attention. Et je pense qu'il va passer en tête avec la tour. Ouais. C'est Yatrochine et Thomas qui prennent les points. Voilà, ils prennent 2 et 1 point respectivement. C'est les deuxièmes points pris aujourd'hui par Ilia Trochine. Et du coup, là, il y a. Attention, parce qu'il est parti avec deux équipiers, hein, en plus de Romain Bardet. Donc, s'il veut faire le forcing, il pourrait le faire. Mais il va pas le faire. Non, non, il le fait pas. Il attend derrière. Il y a Trochine qui en prend 2 de plus. Et Thomas qui en prend 1. Et là, on va direct enchaîner avec le deuxième grimpeur. C'est Mixiemar qui emmène pour le moment avec Hervidi dans la bosse. On a Holy Cools là qui. Le seul qui ne s'est pas encore montré. Qui n'est pas parti dans l'échappée matinale. Et là, Shadow qui emmène avec Izaguirre sur la gauche. Là, il a fait un bel écart Shadow avec Izaguirre. Attention, on a Mixiemar juste derrière. Et Shadow va passer en tête. Ouais. Shadow passe en tête. Il n'y avait que le premier qui prenait des points. Là, c'était un seul point. Donc Shadow prend un point. Premier point pour lui dans ce inline. Et d'ailleurs, il y a une cassure là au niveau des grimpeurs. Regardez, ben, c'est Shadow d'ailleurs qui s'est fait lâcher son sprinter. Attention, ça va rentrer, pas de souci. Et derrière, c'est toute l'Astana de Doru qui s'est fait distancer. Ça va rentrer aussi. Et du coup, on va avoir un regroupement général là à 71 km de l'arrivée. Et maintenant, on va avoir un petit moment un peu de calme avant le prochain grimpeur. Et puis off chrono, tu fais pas. Non.
Non, non, parce que bah, j'ai aucune chance, de toute façon, c'est pas vraiment mon kiff les chronos. Et ça attaque là. Kingmaker qui tente de repartir en contre avec Terpstra. Après, ça va être compliqué, je pense, de partir maintenant parce que, bah, d'ailleurs, Doru le fait. Ça roule directement dans le peloton. Il y a Trochine qui essaye de suivre l'allure là avec Nassen qui repart. C'est maintenant Miximar qui roule avec Valverde. Ah, ça va être difficile, hein. S'ils veulent sortir, peut-être attendre la prochaine difficulté avec les pourcentages noirs, mais là, ça va être compliqué, hein. Ça roule fort dans le peloton, hein. Plus de 50 km/h quand même sur du faux plat montant. Ça roule vite. Il y a encore des lâchés là. C'est qui? C'est Greipel. Attention, Thomas qui a perdu son sprinter. Le sprinter de Thomas s'est fait distancer. Sachant que c'est sur le sprinter qu'ils vont devoir compter, hein, tous pour l'arrivée. C'est pas assez pentu pour distancer les sprinters. Donc attention, il y a peut-être un concurrent qui s'est déjà fait distancer. Il y a Trochine qui a perdu la tour et Villermo aussi. Et il y a les premiers lâchés qui sont sentir là. Attention. Et toujours Kingmaker à l'avant avec Terpstra. À 14 km maintenant du prochain grimpeur. Nassen est en compte toujours. Et c'est toujours Miximar avec Valverde qui emmène à l'avant du peloton. Et il en fringale le Valverde. Il en fringale le Valverde. Heureusement, il se fait aider par Doru avec l'Astana et Lorenz De Vries qui roule. Mais Valverde est déjà en fringale. Gros lieutenant de son leader là. Ouais, ça roule fort là. Doru, il fait pas semblant. Et il a d'ailleurs en fringale devant Terpstra. Du coup, ça ne va rien changer. Il va se reprendre. Et du coup, on va encore une fois avoir un regroupement juste avant le prochain grimpeur, où là ça sera comme le premier, les deux premiers qui passeront en tête. Et il tente directement de recontrer avec Gaviria, son sprinter. Ah, il tente déjà avec son sprinter. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je sais pas, il reste encore 53 km quand même. Il tente de partir avec son sprinter Gaviria. J'ai l'impression qu'il y a quasiment personne qui joue avec son sprinter là. Pourtant, franchement, il peut passer le sprinter, hein, si il économise bien. Bon, on va pas leur apprendre à jouer quand même. Kingmaker, c'est champion du monde de l'an dernier, donc sur route. Allez. Et ça roule fort là. Ça roule fort 3 km. Il se fait reprendre à l'instant. Il recompte direct. Il y a même pas 100 mètres, hein. Même pas 50 mètres, même entre Gaviria et le reste du peloton. Mais là, il est en train de faire l'écart. 20 secondes. 1 km 600, là, c'est dur, hein. C'est plus de 15%. Gaviria, est-ce qu'il va complètement s'écrouler? Ouais, il s'écroule complètement là, Gaviria. Et du coup, là, c'est Kingmaker avec Gilbert qui est en tête de peloton. Et également Oli Koels avec Gerrans. D'ailleurs, Gerrans qui n'est pas bien. Attention, là, ça peut créer des cassures, hein. C'est peut-être maintenant que ça peut. Qu'il peut y avoir une cassure. Et à 48 km, ça peut être dangereux. Alaphilippe qui est parfaitement emmené par Gilbert là au sommet. Il va d'ailleurs passer à 600 mètres. Avec Kingmaker qui va tenter d'aller chercher 2 points supplémentaires. Et il va les prendre les 2 points supplémentaires. Et c'est Ilia Trochine qui va passer deuxième et qui prend 1 point avec Bardet. Et du coup, Miximar se retrouve sans rien dans cette difficulté. Donc Kingmaker en prend 2 de plus. Et Ilia Trochine en prend 1. Du coup, pour le moment, avant le prochain grimpeur et l'arrivée, on se retrouve avec Miximar qui est passé en tête du sprint, mais rien que ça. Du coup, il a 10 points pour le moment. On a Kingmaker à 7, il y a Trochine à 5, et puis on a Shadow et Thomas à 1. Voilà un peu pour les points actuellement. Pourquoi ces deux groupes? Parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs par groupe. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas venus. Et du coup, là, il y a un petit moment de répit. Ça a roulé très fort. Et il y a Trochine qui est en train de rentrer avec son sprinter. Avec Bozic de Shadow dans la roue. Et là, il y a des lâchés un peu partout. Y a-t-il des sprinters de lâchés? Oui. Il y a Oli Koels qui n'a plus son sprinter. C'est terminé. Kingmaker aussi qui a perdu son sprinter. Miximar. Ouais, il y a beaucoup de sprinters déjà distancés, hein. Je pensais qu'ils allaient tenter de jouer avec leur sprinter tous, mais pas du tout. Du coup, dans le peloton, on se retrouve avec Ilia Trochine qui a son sprinter. Kingmaker ne l'a plus. Est-ce qu'il a toujours son sprinter Doru? Je sais pas. En tout cas, là, ça accélère là. C'est parti. Lambda. Et il tente le beau jeu, Miximar. Il est sorti avec son leader carrément à 38 km de l'arrivée. Le problème, c'est que là, c'est quasiment tout plein, hein, et c'est même en descente. Donc, ça avantage plus un groupe qu'un homme seul. C'est une des belladeurs Aurélix. C'est pour ça que tous les grimpeurs ont les mêmes notes, tous les sprinteurs ont les mêmes notes.
tu joues pas? Parce que moi je suis déjà qualifié, je me suis qualifié dès le premier tour. J'ai pas eu besoin des secondes chances. Du coup voilà. Amix Zemar il est là, il est présent. Il a une trentaine de secondes d'avance. C'est pas grand jeu, c'est Holycool qui roule, hein. Est-ce que c'est... Ah, Doru a toujours son sprinter avec trois équipiers avec lui. Donc très très bien emmené là son Oscar Gâteau pour Doru. Et je crois que c'est le seul, hein. Doru est le seul avec... Ah, Shadow à Colbri. Ok, il y a Shadow, Doru et Ilia Trochine qui ont leur sprinter. C'est les trois seuls. Donc vraiment, s'ils parviennent à ce que ça rentre pas derrière, ils sont très très bien partis pour se disputer la gagne à 3. Mais là, attention, ils leur ont laissé une minute quand même, hein. À Mikel Landa, Mix Zemar qui est parti là, à quasiment 40 km de l'arrivée. Et pour le moment, il tient. Une minute d'avance pour lui sur le peloton. C'est maintenant Shadow qui roule pour Bozic. Le problème, c'est que là, si Shadow a toujours. Ouais, Shadow a toujours son sprinter, donc c'est logique que ça soit lui qui roule. Le problème, c'est que ceux qui n'ont plus de sprinter, bah, ils ont aucun intérêt à rouler derrière. Du coup, au final, c'est le bon call qui a été fait par Mick Ziemar. Parce que si t'as pas de sprinter derrière, tu vas pas emmener ceux qui l'ont encore sur un plateau, justement. Après, est-ce que 40 km, c'était pas un peu loin? Est-ce qu'il est capable de tenir 40 km? Il a fait la moitié du chemin là. Mikel Landa, il va arriver dans le prochain grimpeur. Il va très certainement passer au sommet du prochain grimpeur. Donc ça fera un point de plus. Par contre, pour arriver à l'arrivée, je suis pas si sûr. Il a toujours Amador qui est présent dans ce groupe-là avec Moreno. Ah, ça va rentrer. Ça va rentrer sous l'impulsion de Kingmaker là. Pourtant, il a plus de sprinter non plus, Kingmaker, mais il roule quand même assez fort pour le prochain grimpeur. Et au final, est-ce qu'il va passer en tête? Parce que là, il n'y a plus beaucoup de temps, hein. Il n'y a qu'une vingtaine de secondes à peine. Je pense que ça va quand même passer, logiquement. C'est que le premier qui prend des points, là, hein. C'est un quatrième catégorie à peine. Donc, Mick Ziemar qui va prendre un point de plus. Ça en fera 11 pour lui. Et derrière, c'est en train de complètement exploser. Plus que 15 hommes dans le groupe. Des leaders, c'est terminé pour Colbrelli de Shadow. Donc Shadow qui a perdu son sprinter. Oscar Gâteau est passé, Doru qui a réussi à faire passer son sprinter. Tout comme Ilia Trochine. Ils sont plus que deux. Ils sont plus que deux à avoir leur sprinter là. Et fort logiquement du coup il roule, hein, devant Doru qui aurait été assez discret. On l'aura pas vu. D'ailleurs il a pris aucun point, hein. C'est le seul avec Holy Calls qui n'a pas pris de point encore. Et là il est parfaitement emmené pour aller chercher au minimum la deuxième place. Et Nibali, j'avais pas vu, mais il est parti suite au grimpeur à Nibali. 11 km, 30 secondes, attention. Est-ce qu'il peut résister, Vincenzo? Est-ce que Shadow est parti au bon moment? Il y a 35 secondes, c'est Jungles qui roule maintenant avec Kingmaker. Il roule fort là. Il roule très très fort. Bon, c'est Bandef, hein, tant pis. Et il est sorti Kingmaker. Attention, ça a pas pris la roue. Bah là, il l'a emmené là. Là, il l'a emmené. On a peut-être les deux premiers là, Shadow et Kingmaker, qui sont peut-être partis au bon moment. Shadow qui est parti, pour rappel, dans le dernier quatrième catégorie. Et Kingmaker qui vient de partir à l'instant, juste à la pédale, comme ça, en emmenant avec Jungles. Et au final, Doru qui avait son sprinter et Ilia Trochine qui avait encore son sprinter, les deux seuls qui ont leur sprinter dans le groupe, se sont fait piéger. Et ça va pas revenir, hein. Ça risque de ne pas revenir. En tout cas, devant Shadow, il est en train de résister. Il est en train de faire un gros numéro là, avec Nibali. Et il va aller s'imposer, il va aller chercher 25 points, Shadow. On est à 3 km de l'arrivée. La dernière ligne droite, on vire à gauche, 2 km 300 à parcourir. Il a 26 secondes d'avance, attention. Kingmaker qui s'est fait reprendre avec sa quickstep. Et devant, est-ce qu'il va résister? Attention, il a l'air cuit, hein, attention quand même. Allez, ça emmène du côté de Thomas là pour Adam Hansen. Est-ce qu'il va résister, Shadow, avec Nibali? Et non, 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 il s'écroule. Oh, il va se reprendre sur la ligne. Oh, c'est moche. Et victoire de Gâteau. Doru qui s'impose juste devant Thomas avec Adam Hansen. Et Mick Ziemar qui vient faire 3. Oh, c'est très moche. Il s'est effondré à 100 mètres de la ligne à peine là. Shadow avec Vincenzo Nibali. Et GG à Doru qui vient chercher du coup 25 points. En faisant premier de l'étape. Ah, ça, c'est très moche ça. Ça, c'est très très moche. Il s'est fait reprendre sur la ligne, Shadow. Alors qu'il avait tenu une bonne vingtaine de kilomètres. Malheureusement, il aura manqué que 200 mètres pour lui, pour venir remporter l'étape. Faudrait juste que je voie le barème de points.
Faudrait que je voie pour le barème exact en inline. Je crois que c'est là. Ah, c'est moche, hein. Il s'est fait reprendre à peine 100 mètres de la ligne, même pas, hein. Moins de 100 mètres. Du coup, pour les étapes en inline, à chaque fois, c'est... Ah non, c'est 100 points. C'est 100 points. C'est pas 25, c'est 100 points de prix par... par Doru. J'ai confondu avec le mode tour. C'est pas 25 points, c'est 100 points pour l'étape. Du coup, Doru qui fait quand même le taf. C'est 100 points pour le premier, 70 pour le deuxième, 50 pour le troisième, 35, 25, 18, 10, 5, 2 et 1. C'est les 10 premiers qui prennent des points. Il va falloir attendre l'IA qui est lâchée là, c'est bon. Du coup, si on regarde un petit peu, moi je suis qualifié, oui. Du coup, on a Doru qui a pris 100 points, on a Thomas qui en a pris 70. Donc Thomas qui avait pris que 1 point. On a Mixemar qui en prend 50. Puis Shadow qui fait 4ème du coup. Shadow qui fait 4ème qui prend 35 points. On a ensuite Kingmaker qui fait 5ème. Après est-ce que... Ça je sais pas ça. Kingmaker qui fait 5ème et qui prend du coup 25 points. Et ensuite c'est Holy Cools et Ilya Trushin qui termine très loin avec son sprinter malheureusement. Holy Cools qui prend 18 points. Et Ilya Trushin qui n'en prend que 10. Donc voilà. Pour cette première étape. Du coup au niveau du classement là ça donnerait quoi? C'est ça donnerait pour le moment Doru, qui serait premier avec 100 points. On aura Thomas avec 71 points. Ensuite on aura Mixemar avec 61. On aura Shadow avec 36. Kingmaker avec 32. Ensuite Holy Cools avec 18 et Ilya Trojin avec 15. Pour cette première étape, si j'ai pas fait d'erreur. Ils ont quoi les chiens aboyés dehors là? Donc voilà, au final, ouais, Doru qui s'est pas montré un instant durant la course et qui prend les 100 points de l'étape. C'est vrai que l'étape était pas ouf parce que bah, au final c'était que des 4ème catégories et tout. Et du coup, par rapport au barème de points, bah, tu restes dans le peloton, tu gagnes l'étape, t'as 100 points quoi. Alors que ceux qui se sont tentés, ils ont peut-être pris que 10 points bonus quoi. Donc c'est pas ouf. Mais du coup, pour le moment, petite surprise, c'est que Kingmaker et Shadow sont pas du tout dedans. Bon après il reste 3 étapes hein. Et aussi c'est vrai c'est les 4 premiers qui passent. Donc au final il n'y en a que 3 qui passent pas. Donc au final pour le moment ça serait Doru qui passerait, Thomas, Mixemar et King et Shadow pardon. Voilà. Pour le moment ça serait les 4 là qui se qualifieraient pour le second tour de la semaine prochaine. Après, je sais pas si j'ai fait des erreurs dans les points. Normalement, non. On attend du coup qu'il recrée là. Pour partir sur la seconde étape. Et ça sera déjà la dernière d'aujourd'hui. C'est vrai que deux étapes ça passe vite. Hein. Surtout quand c'est des cours d'étapes toutes plates comme ça. Ça va très très vite.
Là, si on fait. Je regarde 61 pour Mixiemar. 32. 15. 36. 118. 71. Ah, ça y est. Ok, du coup, voilà pour cette seconde étape qui va être beaucoup plus importante au niveau du barème de points. Parce qu'on aura beaucoup plus de cols. On a combien? 2, 4, 6, 8 difficultés. Plus 2 sprints intermédiaire. Donc là, ça donnera beaucoup plus de points que la dernière étape. Donc là, rester au sein du peloton comme l'a fait Doru. Tout au cours de la dernière étape, ça payera pas forcément. Ils vont lancer le choix des équipes, je pense. Il est bien Shadow. Shadow pour le moment, il est tout juste. Il est quatrième tout juste pour le moment. Après, vu que c'est des groupes recomposés, ils ont plus de chances de passer parce que c'est quand même les 4 premiers qui passent, c'est pas rien. Donc honnêtement, ça devrait passer quoi, ça devrait aller logiquement. Parce que par exemple, Doru, je connais pas du tout. Hein, je vais pas dire, ça tombe, il est excellent le mec, mais. Juste passer comme ça en mode. Je sais pas comment on dit, mais. Je sais pas, en mode fourmi comme ça, en restant dans le peloton tout le long et en juste prenant la victoire. Il a pris 100 points, mais sur une étape comme celle-ci et sur les prochaines, il y aura beaucoup plus de points de la montagne à prendre, donc. Donc ça payera pas forcément. Prenons pour Giro. Oh bah, Froome, s'il le fait, il a gagné, hein. Allez, ça va démarrer là dans 40 secondes. Je pense que j'ai pas fait d'erreur hein, au niveau des points. Logiquement, ça devrait aller. T'es, il m'énerve hein, les mouches. Oh! Tranquille avec ça. Bah bon, faut être réaliste hein, s'il le fait à mon avis. Voilà quoi. Ouais, mais plus qu'à un point de la deuxième place. C'est good ça. Faudra regarder les calendriers. Et au final. Je rigole, ça va être Lyon et Marseille sur le podium. Monaco, ils vont faire 4. Ça va être beau. Magnifique. Il est trop petit ce bureau. Voilà. Alors va falloir s'ils veulent les points, va falloir partir direct hein. Parce que dès le départ ça commence. Mais il a raison Alexandre. J'ai pas dit qu'il avait tort. Hein. Regardez Marseille, oui. Oui. Ah, ça y est, tout le monde est prêt pour pouvoir démarrer.
pour cette étape. J'ai pas fait gaffe combien de kilomètres elle fait. Ton fond vert te sert à quoi? À cacher le bordel qu'il y a derrière, honnêtement. C'est déjà pas mal, hein. Hop. Voilà. Allez, let's go. Oh non. Ok, c'est parti. Du coup, est-ce que ça va partir dès le départ? Holy Kulz qui roule en tête de peloton, mais il attaque pas. Ouais. Holy Kulz qui a pris 18 points, donc s'il veut des points, il va falloir qu'il tente dans cette étape. Même s'il reste encore deux étapes demain, hein. Il n'y a pas le feu, pour ceux qui n'ont pas pris de points sur la première étape, mais quand même. Ça attaque pas forcément, hein. Ça attaque pas forcément, on est déjà au pied, hein. On est déjà au pied de la première difficulté, donc ceux qui étaient un peu moins bien placés, eh ben voilà, Doru qui joue avec un train dès le départ, comme sur la première étape, est-ce que ça va être payant? Je sais pas trop. Mais Holy Kulz qui va passer en tête là, hein, si ça attaque pas. Ouais, ouais, Holy Kulz qui va prendre un petit point. Est-ce qu'il va continuer son effort après? Non, non, non. Ah, quoique, je sais pas. C'est compliqué à dire quand ça descend comme ça avec des lacets. Si, 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 il tente de repartir. Ok, il continue son effort, Holy Kulz. Donc il part avec Simon Gerrans qui. Holy Kulz qui a pris le premier point de la journée. Dans cette étape, on va direct foncer vers un deuxième catégorie. On en a pas eu dans la. Dans l'étape d'avant. Oh putain, c'est chiant de ouf ça. Oh. Donnez-moi mon ma barre espace. Non. Ok, nickel. Du coup, deuxième catégorie qui donne un peu plus de points. 5 points pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Donc, c'est quand même important. Il y en aura 2 dans la journée, dans l'étape de deuxième catégorie. Donc, c'est important de tenter de passer en tête. Et il a été repris. Par contre, Doru qui s'est fait distancer avec toute son équipe. Et attention à ça, hein. Parce que on le sait, ça peut être avantageux de jouer avec un train, mais quand c'est ce genre de profil, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution, hein. Il est distancé. Le rappel de Russe, c'est celui qui a remporté la première étape, qui est le leader du général pour le moment de ce inline en groupe HG. Alors que là, on est dans le deuxième catégorie pour le moment. C'est Thomas 14 qui est bien placé avec Thomas Dorent. Rediffusion sur la chaîne PCM Italia, vu que je joue pas, je la mettrai pas sur ma chaîne. Mais ça sera sur la chaîne PCM Italia. Il y a le bot qui a mis le lien de la chaîne d'ailleurs juste au-dessus de ton message, la police. Bah, attention là, Holy Kulz qui est bien placé avec Vanguarderen. Thomas qui est bien placé avec Durant également. Il y a Trochin qui est là avec Goujard. On a Landa qui est présent pour Mix Yemar. Après, s'il va faire les points avec son leader aussitôt dans la journée, je sais pas. Il est toujours pas revenu, il est très loin. Hein. C'est peut-être pas la bonne solution ce qu'il fait là, Doru. Et Durant qui est. Qui est bien parti pour prendre les 5 points là. Avec Thomas. Ouais, ouais. Thomas 14 qui prend 5 points. Il y a Trochin qui en prend 2. Et Mix Yemar ou Lee Cole, je dirais que c'est Mix Yemar qui prend 1 point. Ouais, c'est ça. Mix Yemar qui en prend 1. On a également Il y a Trochin qui en prend 2. Et du coup, Thomas qui en prend 5. Pour ce deuxième grimpeur. Thomas qui aurait quand même pris 71 points sur la première étape. Donc attention. Il est bien parti pour le moment, Thomas. Thomas 14, coureur portugais. De ce groupe. On a Ilya Trochin qui en a pris 2. Et on a Mix Yemar qui en a pris 1. T'es où? Moi je suis qualifié moi. On caste là. Et derrière c'est toujours pas rentré, hein. C'est toujours pas rentré avec son train là. Ouais. Et il met son sprinter au bout. J'ai un peu du mal à savoir sa tactique là à Doru. Pour le moment, ça se passe pas très bien. Hein. C'est très très bien passé sur la première étape. Il est resté comme là, en train du début à la fin. C'est passé. Mais là, voilà, il est déjà distancé. Il a plus d'une minute de retard, quoi. Et est-ce que ça roule dans. Ouais, ouais, Shadow il roule. Hein. Ce qui est logique, entre guillemets. Hein, c'est le leader du général qui est lâché avec toute son équipe. Il a aucun membre de son équipe présent dans le groupe de tête. Et il se retrouve à plus d'une minute piégé. Et maintenant, il va falloir faire l'effort. Et même s'il arrive à rentrer, il y aura plus personne pour l'aider. Holy Kulz, c'est encore aussi 3 mecs lâchés, attention. Ouais, 50 secondes. Pour le moment, et ça se relaie, hein. Mix Yemar aussi qui roule avec Erviti. On a Shadow et Mix Yemar qui se relaient en tête de peloton, là, pour pas que ça rentre. Bon, après, si c'est Erviti qui roule tout le long, il va très certainement rentrer, là, avec Lorenz De Vries.
Mais il aura quand même utilisé pas mal de force, je pense. Surtout vous le relief là. Regardez, il perd déjà Lorenz de Vries. Il a plus qu'Oscar. Il passe déjà sur Oscar Gatto. Regardez, ça demande de relayer devant. Mix Yamar qui demande à Shadow de. Et à Kingmaker de relayer. On a Kingmaker, Shadow, Mix Yamar qui relaye avec Ilya Trochine aussi. Bah, tout le monde relaye en fait. Tout le monde est en train de relayer contre Doru. Moi, c'est lundi mon second tour en classique. C'est lundi soir. Ah ouais, là, on a une alliance entre la plupart des coureurs contre le leader du général pour le moment. Ce qui est plutôt logique. On va bientôt arriver au prochain grimpeur qui rapportera 2 et 1 point respectivement. Il est sur le point de rentrer. Hein. Il est pas loin, hein, mais. C'est des efforts qui usent. Surtout, regardez comment ça s'étire. Regardez, hop, il attaque Fuglsang. Ça a l'air d'être des efforts anodins, mais à la fin de la course, ça payera. Il y a toujours 40 secondes. Hein. Il a repris qu'une vingtaine de secondes depuis tout ce temps. Regardez comment ça roule en tête de peloton avec Stibar pour Kingmaker. Ça roule très très fort. Voilà, là, là. L'erreur de début de course. Regardez, De Vries est cuit. Donc, il a déjà plus que Sanchez, Lutsenko, Kangerk pour l'aider. Attention là par contre à Kingmaker qui se fait aussi piéger de la même façon avec la Quick-Step. Bon, il réagit direct hein. Mais derrière, est-ce que ça va faire l'effet qu'il va revenir? Je pense pas. Ah non, il est loin quand même. Il est très loin, les 3 km à monter là. Si ça se regarde un peu pour les points, il y a moyen. Mais là, regardez l'écart qui augmente. Il était revenu à 40 secondes et il vient de repérer tout l'avantage qu'il avait repris. Il est repassé au-dessus de la barre de la minute. C'est fini pour Sanchez, c'est-à-dire que le mec n'a déjà plus que Lutsenko et Kangert. Autant dire... Ouais, il est dans la merde, on peut le dire, je pense, hein. Il est dans la merde, ça se passe pas très bien. Et devant, c'est Ilya Trochine qui roule avec Pierre Latour. Déjà Bardet en seconde position, son leader est déjà extrêmement bien placé là. On a moins d'un kilomètre du sommet, il y aura 2 points à prendre au sommet. Sachant qu'on enchaîne sur un sprint où il y aura 10 points. Attention à ça, faut bien gérer l'enchaînement. Et Oli Koolz qui va passer, ou c'est Latour. Et c'est Oli Koolz, je pense, qui passe juste devant Latour. Ouais, c'est bien ça. Holy cool ce qui passe. Et même pas. Ah, Ilya Trochine s'est fait voler aussi la deuxième place. C'est Mix Yamar avec Valverde qui a pris le point. Donc au final, ça fait 2 pour Holy cool. Et 1 pour Mix Yamar. Et derrière, regardez l'écart. 1,26. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Je pense qu'on peut le dire, ça va être une purge. Il a pris 100 points sur la première, mais il en prendra pas. Il en prendra plus, quoique c'est en train de se regarder un petit peu. Et quand ça se regarde, Kingmaker qui attaque avec Terpstra. C'était peut-être le meilleur moment pour rentrer. Là, il est revenu à 30 secondes sur ce moment de flottement. Mais le fait que Kingmaker attaque, ça réveille Shadow dans le peloton. Et du coup, ça repart pour rouler en tête de peloton. Et du coup, l'écart qui risque de réaugmenter un peu. Sachant qu'on va arriver au sprint intermédiaire, là, Kingmaker qui a attaqué au bon moment. Hein. Il a anticipé le sprint avec Niki Terpstra. Donc les 10 points vont revenir à Kingmaker là sur ce sprint. Qui va passer en deuxième et troisième place? Attention. Qui c'est? Elmiger là pour Holy Cools peut-être. Attention. Et non, c'est Ilya Trochine. Ilya Trochine devant Thomas. Je pense que Thomas a soufflé à la place de Holy Cools. Ah non, 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 il est quand même passé Elmiger. Elmiger a réussi à garder sa place. Du coup là, on a Kingmaker qui prend 10 points de plus. C'est important pour lui qui n'était pas dans les 4 premiers au terme de la première étape. Il prend 10 points. On a ensuite Latour pour la G2R La Mondiale qui en prend 5 pour Ilya Trochine. Et ensuite Holy Cools qui en prend 2. Ah, il y a une pause là. Parce que Shadow vient de se connecter, donc il a loupé le sprint malheureusement pour lui. Faut qu'il fasse le jump avec son leader maintenant, sinon il ne rentrera jamais. Je pense qu'honnêtement, on peut faire un pointage là, entre les deux groupes, hein. Mais honnêtement, ça risque d'être compliqué pour lui. Il y a encore une fois plus d'une minute. Une minute entre le groupe Doru et le peloton des leaders. Et j'avais pas vu, mais il a aussi perdu. À moins qu'il prenne des bidons, mais j'ai l'impression qu'il a perdu Lutsenko. Du coup, il ne lui reste plus que Kangert. Et remonter
Ah, Shadow a quitté. Et remonter le groupe, remonter plus d'une minute avec son leader solo, c'est impossible. C'est strictement impossible. Là, il y a des problèmes de code du côté de Shadow, j'ai l'impression. Sinon, si on fait le point là après ce début de course, où il y a pas mal de points qui ont été distribués quand même, on a Mixemar qui a pris 2 points, Kingmaker qui en a pris 10, 7 points pour Yatrochin, et 5 points pour Thomas et Holy Coals. Donc, autant dire que pour le moment, c'est Kingmaker qui fait la bonne opération et qui re-rentre dans les 4 premiers. Du coup, c'est Shadow qui sort des 4 premiers et qui serait, si on arrête. Ça serait Shadow qui serait éliminé si on arrêtait la course maintenant. C'est quoi la course la plus proche de toi qui existe? Bench, j'ai mes bench. C'est chez moi. Ah, y'a Holy Cools qui. qui a foutu la merde apparemment. Oh putain, j'ai mal au genou. Ah, ça va être compliqué hein, pour lui. Franchement, on peut faire, on peut lancer des paris, mais il ne rentrera pas pour moi. Hein. Oh, j'ai un problème au genou là. Vous le voyez pas, mais. Why? Ah, j'ai le genou bloqué. Comment il fait pour se faire retarder? Tu parles de qui? De Doru? Il a fait un trait, il s'est fait lâcher dès la première boss. Dès la 4ème catégorie. Bonjour, Davy Porcher. Tranquille, tranquille. Ah, Shadow est là. Shadow est là. Ça va pouvoir repartir. Je l'aime pas, il y a des pavés. C'est bien les pavés. Ça va redémarrer. Ok, c'est parti. Je comprends pas sa stratégie pour toi, il l'a fait exprès ou pas. Fait exprès d'être lâché, non. Mais il joue la stratégie du train. Ah, et ça se regarde, il va rentrer. Ouais, ça se regarde en tête de peloton. Ça fait son affaire. Ça s'est complètement regardé. Du coup, il rentre. Mais même s'il est rentré, il a plus que Kanguert, quoi. Hein. Donc, pour lui. Je lui donne pas franchement long feu dans le peloton. Attendez, il est où? Ah, il est là, Lutsenko. Mais après, il avait fait exactement la même stratégie sur la première étape, mais il avait gagné. Mais après, c'était de la plaine, c'était pas aussi pentu, quoi. Mais là, ça se regarde complètement après ce petit moment de stop, là. En attendant Shadow qui était déconnecté du jeu. Du coup là ça se regarde complètement. Et du coup il y a même Lutsenko qui est rentré. Du coup au final il se retrouve à 3 coureurs. Et c'est autant que d'autres personnes. Donc au final ben, même si je pense qu'il a perdu beaucoup de barres avec Fugel, il est de retour dans la course à la victoire. Même s'il reste encore 80 km à parcourir et 5 grosses ascensions, dont notamment l'avant-dernière là qui est très longue et très dure. Mixemar qui va même récupérer Revitia apparemment. Ah, ça se regarde complètement là. Ah, il a pas peur hein. Il s'est mis à rouler en tête de peloton avec Kanguert alors qu'il était en chasse patate pendant 80 km. Franchement c'était pas mal. Salut Jean-Michel. Ah, là c'est petit moment de répit là hein. Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Est-ce que les autres se disent on va récupérer quelqu'un? Ça contre. Shadow qui part avec Visconti, se relève directement. Par contre Mixemar et Kingmaker qui partent avec Terpstra et Moreno. Ils sont partis à deux et c'est Yatrochin qui roule derrière du coup avec Alexis Goujard. Il roule très fort hein. On va arriver dans un enchaînement important là hein, parce qu'à partir de maintenant ça va faire que monter descente. Même dans la partie un peu de plaine, il y a un sprint. Donc attention. Il est en train de partir en plus Yatrochin. Est-ce que ça va collaborer entre Terpstra et Moreno? A voir. Pour le moment Terpstra est en tête de groupe là, en tête de file. Moreno est dans sa roue. Et ils ont quand même 25 secondes, donc s'ils collaborent bien, il y a moyen qu'ils prennent au moins les deux prochains grimpeurs. Et c'est Yatrochin qui fait le boulot derrière avec la tour et directement Romain Bardet. Directement le leader placé très haut là.
pour Ilya Trochin. Et il est toujours avec son petit train au palier du peloton de roue. Il lâchera pas son train. Interdit de lâcher son train pour lui. T'es pour qui? Moi je suis pour personne. Je suis neutre. Ouais, il y a Trochin là derrière, ça va se disputer les points. Là Kingmaker qui va passer en tête, du coup il va prendre un point supplémentaire Kingmaker. C'est que le premier qui passe et du coup ils ont quand même une quarantaine de secondes d'avance hein, les deux. S'ils collaborent bien, ils peuvent peut-être résister un petit moment. Et du coup essayer même d'aller chercher le sprint. Et ah, Moreno est en fringale. Ah ben raid solitaire de la part de Terpstra maintenant. S'il arrive à aller au moins jusqu'au 4ème catégorie, il peut glader pas mal de points là Kingmaker avec son Terpstra. On a Moreno qui va se reprendre par le peloton, emmené par Shadow actuellement et Sonny Colbrelli notamment. Nibali qui est déjà très très haut placé. Hein. Deuxième place du peloton dans la roue d'Izaguirre. Salut à ceux qui arrivent. Et devant Terpstra qui fait le forcing, 45 secondes d'avance pour le néerlandais de l'équipe Quickstep. GG quoi? GG le bloc? J'ai pas vu. J'étais pas sur eux. Malheureusement, j'ai pas pu voir le bloc. Et ah, il s'est fait reprendre Terpstra. Il s'est fait reprendre et du coup c'est Shadow qui va passer en tête, qui va prendre 2 points. Ouais, Shadow qui prend 2 points, Likult 1 point. C'est dommage, hein, il aurait pu résister. Du coup ils sont partis à 2 cette fois-ci. Shadow avec Izaguirre et Likult avec Van Garderen, les deux lieutenants en montagne. Les deux exactement les mêmes stats, ils ont une trentaine de secondes d'avance. Peut-être noter du coup, on a Shadow qui a pris 2 points là. Les deux premiers points de la journée pour lui. On a Likult qui en a pris 1. C'est son 6ème lui aujourd'hui. Et Kingmaker qui en a pris 1 aussi, lui c'est son 11ème. Quoi tes pronos pour demain? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Il y a les Van Endert, il est revenu. Il va gagner Liège. Merci Hugo. Il y a un bel avance. Un bel avance, hein, pardon. 40 secondes d'avance. Shadow qui a encore quitté la game. Ah, en plus, il est devant. Il va peut-être se faire voler les points là, du coup. Il y a quand même plus d'une minute 10, hein. C'est dommage et ça se regarde, attention. On est encore loin, on est à 54 km de l'arrivée, mais ils vont pouvoir glaner pas mal de points là, tellement que ça se regarde dans le peloton. Likult et Shadow. Likult qui n'avait pas pris beaucoup de points, c'était l'avant-dernier de la game sur la première étape, il avait pris que 18 points. Shadow lui en avait pris un peu plus, il en avait pris 36. Peut-être pour ça qu'on leur laisse autant d'avance, hein. Plus de 2 minutes 20 d'avance. Arrivé au sprint intermédiaire. Il y a plus de 2 minutes là. Hein. Ils peuvent faire un gros raid à 2 là. Et aller même peut-être jusqu'au deuxième catégorie. Et prendre du coup les 5 points qu'il y a à prendre au sommet. Qui va passer en tête là? Shadow ou Likult? Non, c'est Shadow. Ah, quoique. Je pense que Likult s'est passé devant. On va suivre le sprint du peloton là. Mais je crois que Likult s'est passé devant. Non. Shadow est quand même. Ok. Shadow est resté devant. Très bien. Et dans le peloton, est-ce que ça va se disputer pour les 2 points? Oui. Kingmaker vient chercher 2 points. Voilà. Kingmaker vient chercher 2 points. Et ça se re-regarde. Oh là là, il y a peut-être un coup à faire là pour les deux. Hein. Ils vont peut-être revenir là les deux. Shadow qui prend 10 points de plus. On a Likult qui en prend 5. Et Kingmaker qui en prend 2. Par contre, il a quitté la game, il est parvenu. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est. Ah, ça roule. Il y a Trojan qui s'est mis à rouler. Mais s'il collaborait un peu plus fort que ça. Ils pouvaient le faire, hein. Ils sont au pied du 4ème catégorie là. Ils vont pouvoir passer celui-là. Après le prochain, s'ils continuent à rouler à cette allure là, ils vont se faire reprendre très vite. Hein. Ah, ils sont partis à 5 là. Attention, il y a une cassure au niveau du groupe Romain Bardet. Ça va rentrer aussitôt, hein. Pas de souci. Et toujours avec son petit train lui à droite du peloton. Et devant, qu'est-ce qui se passe là? C'est Izaguirre qui fait l'effort. Et il va passer en tête encore, hein. Shadow. Shadow qui va encore prendre un point. Ouais. Shadow qui prend un point de plus. Par contre, l'écart qui a bien fondu. Hein. Ils ont perdu quasiment 40 secondes. Même plus, hein, quasiment 50 secondes. Il n'y a plus qu'une 20 en faveur de l'échappée pour le peloton. C'est Doru qui passe en tête de peloton maintenant avec Lutsenko. Et maintenant, on va foncer vers le deuxième catégorie. Hein. 13 km à tenir. Est-ce qu'ils sont capables de tenir la Vanguarderen et Izaguirre pendant 13 km avec un peloton emmené à vive allure par Lutsenko? Du coup là on a encore une fois Shadow qui fait le plein de points, pardon. C'est son 13ème point.
sur cette étape. Holy Call suit un peu moins. C'est 6-11 points de prix depuis le départ. Et il y a un peu plus d'une minute. Hein. Ah, c'est Bardet qui roule fort là avec la tour Iliatrochine qui emmène fort hein, déjà avec Bardet. Mais forcément, il n'y a plus que la tour en équipier. Du coup, il se relève. C'est maintenant Doru qui lance avec Lutsenko. Encore énormément de quick-step présents. 5 quick-step hein, pour Kingmaker. Il n'y a qu'un lâché, c'est son sprinter, j'ai l'impression, c'est Gaviria. Mais il est encore au complet dans ce peloton. Et devant, il y a encore 50 secondes. Et s'ils sont capables de résister, 50 secondes au pied de là, du Poggio. Bon, c'est pas le rien, je pense. C'est pas le fameux Poggio de Sanremo. Il fait pas 7,5 km, le Poggio de Sanremo. Et là, on a Holy Cools qui est en train de partir. Holy Cools qui est en train de partir. Il a fait un petit trou et Kingmaker qui roule fort là. Ah ouais, Kingmaker, il a encore toute son équipe là. Ça va faire très très mal les quick steps qui emmènent en tête de peloton. L'échappée qui se fait reprendre. Il reste plus que Holy Cools en tête. Avec à peine 15 secondes d'avance. C'est en train de lâcher même. C'est Doru encore une fois qui se retrouve distancé. C'est terminé pour Lutsenko. Il n'a plus que Kankert pour l'emmener. Là maintenant, c'est là que ça va partir. C'est là que les favoris vont se dessiner. On a surtout Shadow et Kingmaker qui sont représentés en nombre là. Et Doru qui se retrouve encore une fois très loin. Il y a 5 points à prendre au sommet, hein. 4 km à parcourir. Il y a une longue descente après pour récupérer. Donc au final, on peut faire de gros efforts dans cette boss. C'est fini pour Vanguard Reign. On a un trio de tête qui se forme là. Avec Holy Cool, Kingmaker et Shadow. Avec leurs 3 leaders, Alaphilippe, Nibali, Porte. Et là, c'est Bardet. Et il y a Trochin qui roule en tête de peloton. Jungles qui est présent. Kingmaker a même réussi à placer son équipier avec Wellen. Il vient seulement de revenir. Ah d'accord, donc le mec il a pris plein de points depuis tout à l'heure. Sans jouer. Pas mal. Oh, il a encore quitté. Oh, c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'il est bien placé. Hein. Si tu vas faire Liège-Bastogne-Liège. Normalement, oui. Après... J'ai ça depuis la semaine dernière et j'ai pas fait la flèche et j'ai pas fait l'Amstel quoi. Donc bon. Shadow vient de se connecter. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là c'est un peu... c'est en train de se découdre de partout. On a Mixemar qui est derrière encore aidé par Valverde qui lui joue la carte un peu de la sérénité. Il tente pas de suivre toutes les attaques. On a ensuite Kingmaker, Shadow et Holy Cools qui eux tentent de loin. Et c'est reparti. Et derrière en contre, on a Iliatrochine et Thomas. Kingmaker, fort logiquement, ne collaborera pas avec eux, vu qu'il a son leader devant. Et derrière, il y a Mix Ziemar qui est là. Thomas avec son équipier. Et derrière, c'est très loin hein, pour Doru. Il a course perdue, hein, je pense, on peut le dire. En tout cas, là, on a 2 km du sommet. S'il parvient à faire tenir Jungles et à l'avoir en équipier, ça peut être très fort parce que Mix Ziemar vient de perdre Valverde. On est entre leaders. Il reste 26 km, on est entre leaders. Qui va prendre les 5 points qu'il y a à prendre au sommet? C'est les 3 premiers qui prennent les points. Hein. Donc apparemment, on les connaît maintenant dans quel ordre. Qui va prendre les 5 points qu'il y a à prendre au sommet? Est-ce qu'ils vont garder des forces pour l'arrivée? Est-ce qu'ils vont disputer les points? Je sais pas, c'est fini pour Jungles. On est déjà entre leaders. Et c'est qui? Kingmaker ne passe pas, c'est Holy Cools. Holy Cools passe premier, prend 5 points. Kingmaker en prend 2. Et Shadow en prend 1 au sommet. Et là, ça va collaborer. Là, ça va collaborer. Il y a 30 secondes. Avec Thomas et Yatrochine. Et derrière, Mix Ziemar se retrouve esselé. Ça, c'est le pire move. Pour Mix Ziemar, il est solo avec Landa, alors que c'est tout plat. Mais il va revenir. Ah, ils sont en fringale, Bardet et Thomas avec Wellens. Donc les trois qui sont bien partis pour se jouer la gagne devant là. Et derrière, par contre, pour Doru, c'est fini. Hein. Il est très très loin, hein, Doru. Si on fait un pointage là, c'est terminé pour lui. Hein. Ah, il a plus de 3 minutes. C'est fini. Doru ne remportera pas la course. Donc il ne sera plus leader au terme de cette deuxième étape. Faut juste que je note, du coup. C'est Holy Cools qui prend 5 points. C'est ensuite Alaphilippe. Donc, Kingmaker qui en prend 2. Et Shadow qui en prend 1. On va filer, du coup, vers la dernière difficulté de la journée. Là, ils sont 3 pour une victoire. Derrière, on les a vus en fringale. Donc, la descente était longue. Mais est-ce qu'ils ont su récupérer assez pour reboucher 50 secondes? Ça m'étonnerait. Après, est-ce que ça va pas se regarder aussi devant? C'est possible aussi. C'est possible. Après, attention parce que Thomas et Mix Ziemar, c'était les deuxièmes et troisièmes de la première étape. Donc, au final, ils ont intérêt à collaborer. Hein, les trois, parce que les trois étaient un peu pris... sur la première.
Et 4 km à parcourir, ils sont pas si loin que ça, il y a que 30 secondes, hein. S'il y en a un qui a la force pour faire le jump, il est capable de le faire, hein. Après, est-ce qu'ils sont capables de le faire? C'est ça la question. Derrière, c'est très très loin, il y a toujours 3 minutes pour Doru. S'ils arrivent à rentrer avant le sommet, c'est faisable, mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Il va y avoir un regroupement. Ouais, regroupement. Regroupement en tête de course, ils sont 6 du coup. Ils ont réussi à bien gérer leur effort. Là, il y a Trochine, Miximar et Thomas. Et du coup, on a un regroupement. Ils viennent de revenir sur Shadow, Holy Cool, c'est Kingmaker. Kingmaker et Holy Cool, ils sont en train de ressortir là. À 10 km sous la banderole des 10 derniers kilomètres. Ils sont ressortis à 2 là. 20 secondes d'avance pour les deux hommes. Shadow qui s'est un peu fait avoir dans l'histoire là. Et du coup, c'est Kingmaker qui passe en tête. Ah non, d'accord, c'était un autre grimpeur. C'est les deux premiers qui prennent des points là. Donc Kingmaker qui va sans doute prendre des points. Attention, Kingmaker. Kingmaker ou. Holy Cools, ouais. Kingmaker qui prend 2 points. Holy Cools s'en prend 1. Et après, ils ont course gagnée là s'ils arrivent à basculer. Hop. Maintenant, on file vers l'étape. Et là, bah, c'est les 6 derniers kilomètres. C'est en descente, hein. Sous la banderole des 5 derniers kilomètres, c'est le début de la descente finale. Et si ils parviennent à garder cet avantage, c'est gagné. Ou Shadow et. Ou Shadow, le jump au bon moment. Alors qu'il est en fringale, Kingmaker avec Alaphilippe. Et du coup, porte-attaque avec Holy Cools. Il a vu la fringale d'Alaphilippe, c'est bien joué. Holy Cools qui peut aller s'imposer, il est en très très bonne position, mais il est en fringale aussi, attention. Est-ce que c'est pas Shadow qui a fait le jump au bon moment, qui va s'imposer là? C'est de la descente, mais le dernier kilomètre est sur du plat. Alors, en tout cas, Shadow, Thomas et Ilia Trochine ne gagneront pas. Ils sont mal placés en plus de ça, on les a vus en fringale, donc ça va être compliqué pour eux. Ça va se jouer entre Holy Cools et Shadow. Holy Cools très très bien placé là, à 1 km 500. On va pas tarder à passer sous la flamme rouge là. Qui va s'imposer, Shadow ou Holy Cool? C'est ce que Holy Cool c'est capable de résister jusque à la ligne. Attention, Shadow qui remonte. Et ça va être la victoire de Shadow qui le fume sur la ligne. Shadow qui s'impose devant Holy Cool. Kingmaker va faire 3ème, Ilia Trochine 4ème, Thomas 5ème. Miximar va venir faire 6ème du coup et la 7ème place. On va l'attendre, il est très loin, c'est Vogelsang avec Doru. Qui aura fait une course très bizarre, on va pas se mentir. Et voilà, très très bien joué de la part de Shadow qui était lâché. On le pensait mort et au final il a fait le jump au bon moment. Bien joué, du coup là si on regarde, ça ferait pour faire les points au terme de cette première étape. Pourquoi ils mettent Porte là et Nibali là? Ouais bon, Nibali. Pour la Bahreïn Mérida, on aura du coup Shadow qui prend 100 points. On a Holy Cools qui en prend 70, donc 70. On a ensuite Kingmaker qui en prend 50. C'est ça, 35 c'est pour l'AG2R, la mondiale. Donc c'est Ilia Trochine qui prend 35 points. Quelle course de Shadow mentalement. Ouais, et merci d'ailleurs Smoxy, je sais pas si t'étais présent la semaine dernière, mais j'ai vu que t'avais sub sponsor à la chaîne. Pendant que j'étais pas en live, donc je t'avais remercié, mais je sais pas si t'étais présent. Donc je te le redis maintenant si jamais t'étais pas là. Merci pour le sub frérot, ça fait plaisir. Shadow il gagne même quand il déco. Ouais. Pas évident pour lui. Hein. D'ailleurs, faut mettre forward, je crois. Je l'ai pas mis. Du coup, attendez, ça m'a perturbé là. 35, Ilia Trochine. On a avec la loto Thomas qui prend 25. C'est ça. On a ensuite à 18 points la Movistar de Miximar qui prend 18 points. Et on a ensuite. Ben, Doru qui prend 10 points. Doru qui aura pris 0 points bonus en plus. Donc, au final, si on fait le classement, Doru 110, je fais ça vite fait, elle va vite, hein, pour vous ayez un aperçu. 101 pour Thomas. Alors, Holy Cause, oh putain, les maths, frère. 18, 19, 21, 23, 24, 29, 34, 35. 105 pour Holy Cause. Pour Shadow, 36, 38, 48. 49, 50, 150. Ilia Trochine 15, 17, 22, 57. Kingmaker 32, 42, 43, 45, 47, 49, 99. Et Miximar 62, 63, 73, 81. Ok. Et faire le classement invité. J'ai pas vu, merci. Mais merci à toi. Tu stream pour qu'il y ait un point de vue. Ouais, exactement. Parce que moi, je me suis qualifié la semaine dernière.
Donc voilà, du coup si on regarde vite fait pour le classement, pour le moment, ça donnerait Shadow leader avec 150 points. Hop. 150 points. Frère, pourquoi faut calculer des maths là? On a ensuite, exceptionnel de dire ça, mais on a le fameux Doru qui est deuxième pour le moment avec 110 points. Rappel, c'est les 4 premiers qui passent sur les 7, parce que les groupes ont été reformés. On a ensuite en troisième place Thomas 14 avec 101 points qualifié. Et quatrième, c'est... C'est... Non, j'ai dit des conneries, c'est Holy Cools troisième, pardon. C'est Holy Cools avec 105 points, j'avais pas vu. Holy Cools 105 points. Du coup, le fameux Thomas, quatrième qualifié pour le moment, avec 101 points. Cinquième est éliminé, malheureusement pour le moment, c'est Kingmaker, le champion du monde sur route de l'an dernier, pour rappel, donc quand même, c'est pas n'importe quoi. Kingmaker avec 99 points, 99, mais bon, il n'y a que 6 points de retard sur la troisième place, par exemple, donc c'est rien du tout. Sixième, on a Mixiemar. Avec 81. Et 7e, on a Ilia Trochine, salut la moto, avec 57 points. Donc voilà pour le classement, ça donnerait Shadow 150 points, premier, deuxième Doru 110 points, troisième Holy Cools 105 points, Thomas 4e avec 101 points, Kingmaker 5e, donc pas qualifié avec 99 points. 6e Mixiemar avec 81 et 7e Ilia Trochine avec 57, si je me suis pas trompé. Au final, on a pour le moment Shadow qui est à peu près à l'abri, mais au final pas énormément non plus, parce qu'il y a que 51 points d'écart entre Shadow par exemple qui est premier et Kingmaker qui est 5e. Même Mixiemar qui est 6e peut encore revenir sur le premier. Ça reste serré, donc tout va se jouer demain, au final. Et puis voilà, donc écoutez, je pense que ça sera fini pour nous aujourd'hui. Je suis en train de regarder. Je crois que j'ai pas trompé. Je me suis pas trompé. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Du coup, les mecs, c'était différent, hein. J'étais qualifié, c'était un peu plus cool que d'habitude. Du coup, c'est pour ça aussi que vous étiez un peu moins nombreux que d'habitude, hein. Mais bon, c'était quand même plus de sens, ça avait plaisir. Pour suivre ce groupe G et H, je pense que je vais continuer à stream sur Fortnite après, mais je vais faire une petite pause de genre une petite demi-heure. Je vais couper genre pendant une demi-heure et je vais revenir vers 23h sur Fortnite. Et puis voilà, Doru il limite bien la case. Oui, il a très très bien limité. Imagine, il y en a qui portent réclamation contre Shadow pour toutes ces déconnexions. Non, je pense qu'il n'y a rien à faire pour les déconnexions. Ça m'étonnerait. Parce que c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas de sa faute. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream, les mecs. C'était sympa. Je suis pas commentateur professionnel, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous faire vivre un bon petit moment. Une bonne. Ça fait combien de temps? 1h30? Ouais, à peu près 1h30. Tranquillement. Et puis voilà. Moi, pour ceux qui se demanderaient, les seconds tours, on est qualifié partout. En classique, en inline et en tour. D'ailleurs, la chatte Astyros, n'est-ce pas? Sur les tirages au sort à frapper, vu qu'on est tombé sur des bons groupes pour les seconds tours. Donc il y a peut-être moyen d'aller chercher des demi-finales. On verra. Mais du coup, pour moi, mon second tour en classique, ça sera lundi à 21h. Voilà, soyez au rendez-vous, les mecs. Non, pas 21h, 20h30, pardon. Voilà. Thomas Fixinho, est-ce que tu es le fameux Thomas 14? Sinon, si t'es le fameux GG. Parce que pour le moment, tu es quatrième, si je me suis pas trompé dans les points. Donc voilà, écoutez, je vous quitte là, je vais couper le stream, je reviens vers 23h sur du Fortnite, je pense, ça fait longtemps. J'ai pas streamé autre chose que la World Cup. Ça va faire du bien aussi de streamer autre chose que du PCM et du TDF, surtout que vous devez comprendre, là, c'est pas la motivation sur TDF et PCM, mais pas fameuse, hein, bon.
Vivement le Giro, que ça redonne un petit coup de boost à tout ça. Et c'est dans pas très longtemps, c'est dans 2 semaines, je crois, le Giro. Donc on va vite être là. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il y en a qui veulent venir sur Fortnite, je vous laisse par exemple aller manger, aller aux toilettes, je sais pas, faire un truc pendant une demi-heure. Et je reviens dans à peu près une demi-heure. Maël, le résultat, c'est premier chat 250, Doru 110, Holy Cool 105, Thomas 101, Kingmaker 99, Mixiemar 81 et Idiatrochine 57. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui ne reviendront pas, un bon week-end, et puis voilà, hein, s'il y en a qui sont en vacances, bonnes vacances, s'il y en a qui reprennent lundi, bonne reprise. Bon, je peux vous mettre le seum si vous voulez, mais je suis déjà en vacances d'été, entre guillemets. Donc voilà, allez, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, les mecs, allez, ciao, ciao! Looking for a place that I'd rather be. I've been searching for my own destiny. I raise my gun to the sky and scream out loud.
This is my hope. This is what I stand for. Now is the time to let it all out. We are the young ones to fight for survival. We will watch you like an eye of a fire.